Jennifer, come back. Jennifer, come back. Let's disappear. Let's disappear. And let me try. Just try to touch of your lips. I feel so strange. My hands on your hips again and again. The first time we met, I knew it was you. Your lips were so set. My eyes. Hey, yo les gamers, c'est Shadow. On se retrouve sur la Noir Rage pour une petite vidéo avec le retour, ouais, de la Peacekeeper sur Black Ops 3. Et ce n'est pas une blague, vous avez bien du gameplay de la Peacekeeper sur Black Ops 3 en fond. Alors c'est un américain qui nous a tout simplement enregistré ça, donc grand merci à lui. Enfin c'est pas lui qui nous a directement pris, enfin enregistré pour nous tu vois. Mais on l'a trouvé sur le net et donc bah en tout cas bah ça fait super plaisir à voir. Parce que voilà, la Peacekeeper est bien sur Black Ops 3, c'est pas du fake. On voit très bien l'arme, elle est très bien incrustée, ça peut pas être photomontée ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de Photoshop qui tienne là, là c'est pas possible là. Et donc là il était sur la map Empire, donc en plus du DLC 3, et avec la Peacekeeper. Donc il va tester deux configurations différentes qu'on va vous faire voir. Il va faire des kills avec, etc. Donc franchement ça fait hyper plaisir, parce que c'est une arme de cœur pour moi sur Black Ops 2, etc. J'ai vraiment bien kiffé. Et pour moi, si sur Black Ops 3 ils mettent autant de choses de Black Ops 2, c'est parce qu'ils savent de toute manière que ça va marcher. Et qu'en plus c'est un petit peu pour satisfaire aussi ceux qui sont un petit peu plutôt old school. Effectivement voilà, on est de plus en plus nombreux à se plaindre par rapport aux futuristes, etc. Et le fait de remettre des old scene maps un petit peu remake, voilà, sur Black Ops 3, du style la map Red, puis pourquoi pas stand-off sur le DLC 4, etc. Ce genre de choses. Et maintenant la Peacekeeper qui revient sur Black Ops 3, c'est pour essayer de nous satisfaire, nous les anciens, et aussi satisfaire les nouveaux, voilà, qui eux préfèrent peut-être les maps avec du dynamisme et des sauts, des propulseurs, etc. Tout ce bordel là. Enfin voilà, donc bah n'hésitez pas à donner vos ressentis, vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette arme avec le peu de visuel qu'on a, en commentaire si ça vous fait plaisir ou non. Il y a aussi une petite information, le patch 1. Je ne sais combien est sorti sur PS4, donc le 27 juillet 2016 précisément. Donc si vous voulez qu'on vous en fasse une vidéo, une espèce de petit patch notes, n'hésitez pas à dire en commentaire. On s'en fera avec bah, joie une petite vidéo dessus, hein, tout simplement pour vous un peu préciser les changements qu'il y a eu par rapport à avant, par rapport aux armes qui ont été patchées, etc. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous intéresserait. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, portez-vous bien. Ciao.